Bonsoir tout le monde. Enfin bonsoir. Et bonsoir du coup. Putain, on voit pas, c'est chaud. Waouh. On me voit pas. Deux minutes, toi, viens. Coche le live est online sous le jeu Batman Arkham Knight, l'ultime commence. Ok, c'est bon, là on m'entend, ça fait plaisir, on est de retour sur Batman. On va continuer parce que je veux continuer Batman depuis tout à l'heure. Tout à l'heure j'hésite à faire un live, j'ai pas de batterie dans mon PC, faut que j'aille chercher le chargeur. Je vais aller chercher, attendez. C'est parti. Donc sur la suite de Batman Arkham Knight. Elle éclaire beaucoup mais... C'est parti. Alors on y va. C'est quoi cette histoire? Commissaire, comment est-ce qu'il fait ça? C'est Batman, les gars. J'ai appris à ne plus me poser ces questions. Ok. Ok, on y va. C'est parti. Casse les pieds. Fin, une série de 22 coups. Le coup dans la gueule. Trop bien. Ok. Putain, Ninjago là.
Et voilà, monsieur, incroyable cette action, oh, c'était du génie, du jamais vu même. Alors, on va utiliser la grue du coup. Putain, comment on utilise cette merde déjà? C'est parti. Yes. Chef, les tanks ne parviennent pas à atteindre la cible Alpha. Sa capacité offensive dépasse nos prévisions. Il n'a pas changé. Oh, que c'est beau! Oh, c'est tellement stylé! C'est tellement stylé! Les coups de batte de baseball, c'est à. Alors, du coup, on fait comment? Ok. Et j'ai l'explosif. C'est le deuxième ouvrier assassiné. Putain. J'aurais dû empêcher ça. Batman, écoute. Elle a raison. Ça peut attendre. Non, c'est urgent. Tu sais ce qui est en jeu. Concentre-toi sur ton objectif. Où les choses vont empirer gravement. J'avoue, il faut qu'on continue. Robin, désolé. Hein. On va devoir. Il ne veut pas être aussi dur avec Tim. Il veut seulement aider. Ne vous laissez pas influencer par vos sentiments pour lui. Peut-être que j'ai envie qu'il dise que ça vous. Je préférais qu'il reste en dehors de ça. Mais il pourrait vous aider. Si Robin n'arrive pas à sauver ses gens, les répercussions seront tout aussi dangereuses que la bombe de l'épouvantail. Si je casse ça, ça fait quoi du coup? Est-ce que ça désactive? Ah non, ok, ok, attends. J'ai peut-être une idée. Peut-être. Exact. Du coup, maintenant, quand. Je fais ça, normalement. Oui, ça a coupé les bonbonnes de gaz du coup. Ça fait 3 morts. Ces monstres vont le payer cher.
on les arrêtera. Comme toujours, pas vrai? Ouais. Ok, attends. Ah là. Parfait. Ok. Donc maintenant qu'on a activé ça, on prend le contrôle de la batte. L'ascenseur ne monte pas plus haut que ça. Je peux entrer par où? Par là, ok. Ok, c'est bon. L'ascenseur ne monte pas plus haut que ça. C'est une mauvaise idée de faire tomber l'ascenseur tant que je suis là. L'ascenseur ne monte pas plus haut que ça. C'est une mauvaise idée de faire tomber l'ascenseur tant que je suis à l'intérieur. LOL. Non, ça va pas, Bruce. Je sauve. C'est pas qu'il y a du monde au-dessus. Qui est sûrement avec Katana. Ok, coucou. Ok, c'est bon. On est là. Ah bah alors là, mon pote, si tu me proposes de faire ça. Je ne peux pas partir sans technicien. Je t'éclate la gueule. Dans les airs, oh là là. Qu'est-ce qui est stylé. Bah alors. Je dois parler au technicien. Il peut m'aider à trouver. Ouais, technocien. Vous êtes en sécurité. Vous réjouissez pas trop vite, Batman. Gardez votre calme et dites-moi ce que vous savez. Ça fait des heures qu'ils contrôlent l'usine. Ils ont rentré des camions, des armes, des soldats, des cargaisons de produits dangereux. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il est en train de produire cette toxine à grande échelle. C'est grave. Très grave. On parle d'un nuage de toxines qui pourrait entièrement recouvrir la côte Est. Où je peux trouver l'épouvantail? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il va bientôt passer à l'action et qu'il a toute une armée derrière lui. On est fichu, Batman. Je vais l'arrêter. Je vais d'abord vous faire sortir d'ici. Allez à l'ascenseur. Allez, viens à l'ascenseur. Vous avez trouvé l'épouvantail? Pas encore. Ouais. C'est pire que prévu. Être pire. Il construit une bombe assez puissante pour envelopper toute la côte Est dans sa toxine de terreur. Partez d'ici avec vos hommes. Rentrez au GCPD et verrouillez le bâtiment. Personne ne doit sortir. Je vais dire à mes hommes de se mettre à l'abri, mais je ne bougerai pas. Amenez-moi tous ceux que vous trouverez. Jim, non, c'est trop dangereux. Vous l'arrêterez. Je vous fais confiance. Putain, mais con. Oh, si tu savais, Jim.
Si tu savais, je t'aime bien, hein, Jim, franchement. Mais barre-toi loin, très loin. Trop loin même, barre-toi. Une bonne idée, Bruce. Eh oui. Alfred. J'ai vu, monsieur. Les analyses initiales indiquent que l'appareil est vide et qu'il est contrôlé à distance. Je déverrouille les armes létales. On va voir si je peux suivre mon rythme. Ah, c'est fini déjà. Et voilà. Je peux partir. Allez, je me casse. Putain, Maître Bruce, les tanks de la milice sont partout dans la ville. Gotham est occupé. Si je n'arrête pas la bombe de l'épouvantail, il n'y aura plus de ville à sauver. Bon, je suis censé aller là-bas, moi. Mais attends. Ah ! Tiens. Très bien, très bien. Moi aussi, si je monte pas le truc, c'est complexe, hein. Incroyable! Oh non! Bien joué! Je savais que vous ne laisseriez pas tomber. C'est pas encore fini, Jim. Je retourne chercher les étoiles. T'inquiète, j'arrive. Je suis pas loin, si tu le battes. Oh. Putain, je suis allé d'Arkham. Incroyable. Il a ce fils de pute, regardez-le. C'est lui. C'est mon alter ego. S'il vous plaît. Laisse-le en dehors de ça. Tu défends toujours.
Faible et sans défense, c'est ce que j'aime chez toi. Et prévu. C'est pour ça qu'on va gagner. Ah, hop. Bats-toi, fumier. Et voilà, on l'a tué. Bon bref, je vais venir quand même t'aider parce que bon, je suis en train de... Bon, dis-moi tout ce que tu sais sur l'épouvantail. Ah merde, mais t'es un survivant, toi. Mais t'es un survivant, toi, on va te sauver, attends. Eh bien là, Batou, il vient de sauver maintenant. Incroyable. Ouais, j'avais oublié. Il se trouverait dans la chambre de mélange centrale. Et vous savez pourquoi? Il s'apprête à libérer la toxine. J'ai vu ce que ce truc fait subir aux gens. Si ça se répand dans la ville, ça va être le chaos. Ça n'arrivera pas. Attendez-moi près de la Batmobile. Je vais vous sortir de là. Jim, j'ai sauvé le deuxième. Je vous le ramène. Il est dans la chambre du mélange central. D'abord, je sauve les techniciens, ensuite je m'occupe de lui. C'est aussi grave que ça en a l'air. Encore pire, Jim. Mais je l'arrêterai, je vous le promets. Faut pas faire des promesses comme ça, Batman, c'est pas bien. Oh, attends, je vais partir sans rien. C'est une dinguerie, je vais partir sans rien, wesh. Je suis un malade. C'est une dinguerie ça. Attends. Vas-y, go. L'épouvantail prépare la bombe dans la chambre de mélange centrale. Il me faut un moyen d'entrer. Vite. Je suis sur le coup. Mais il va me falloir plus de 2 minutes. Dépêchez, Barbara. La patience est une vertu. Vous êtes au courant, non? Et voilà. Ces deux-là ont eu de la chance. Les forces de l'épouvantail ont assassiné les autres. Emmenez-les au GCPD, mais soyez prudents. La milice a envahi Gotham. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais montrer à Drain ce qu'il en coûte de s'en prendre à ma ville. Oracle, je dois atteindre l'épouvantail. Enfin, super saut, attends. Ça ne va pas manquer. Il n'y a qu'un seul accès, et il a été scellé de l'intérieur. Et le tunnel de maintenance? Il longe le mur principal du bâtiment. Je vous envoie l'emplacement. Qu'est-ce que vous allez faire? Improviser. Ouais, super. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. C'est une idée. Un peu folle. Ah bon. Tout le monde, ça marche. Donc Ouais. Let's go, motherfucker. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. Merde. Bouge pas là.
C'est un fail total. J'arrive, coucou. C'est mieux comme ça. Détruire la tourelle. Batman, destruction. Et voilà. Voilà, quand je fais après. Batman, on a réussi à retourner au commissariat, je ne sais pas comment on a fait. Il y a des tanks partout. Ces fumiers doivent préparer le coup depuis des semaines. Restez en place et plutôt mieux. Je m'occuperai d'eux dès que j'aurai arrêté l'explosion. On compte tous sur vous, Batman. On s'en sortira, j'en suis sûr. Ouais, j'espère, hein. Parce que bon, si on s'en sort pas, c'est un peu con quand même, hein, tu vois. Ouais, faut que je casse de merde. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. Oh là là, que c'est stylé. Il se passe tellement de trucs. Ta gueule. Et hop. On bouge. On va prendre juste un peu. Voilà. C'est n'importe quoi ce truc. Bon, on a utilisé tout le mobilier qu'il y avait autour. Julian a effectué une simulation en prenant en compte la capacité de la chambre de mélange. Il ne bluffe pas, Bruce. Maintenant, on sait pourquoi il a fait évacuer la ville. Il lui fallait l'usine. L'infrastructure d'Ace Chemicals était la seule capable de produire une bombe de cette taille. Et ouais. Les répercussions vont être terribles. Il nous a complètement manipulés. Ça lui était égal si tout le monde fuyait. Il savait que personne ne pourrait échapper à l'explosion. Ce soir, Gotham va changer à jamais. Et ce soir, Gotham...
Terre va devenir une terre de cauchemars. Le symbole désolé de l'échec de Batman. Un monument à la peur. Mais ce n'est pas tout. Gotham va être une explosion. Je vais transformer toute la côte est de l'Amérique et en faire mon tonnerre. Il faut que je bloque le chargement des produits chimiques dans la chambre de mélange.
Hop là, et on est de retour. Et on est de retour. Alors c'est parti. C'est parti. Il a eu la pire mort, c'est hallucinant. Allez, on va aller voir Greg. Allez, penses-tu vraiment avoir gagné? La peur de putain, wesh, flippant le petit Greg. Ah, le bâtard. Alfred, j'ai entendu ce que vous a dit ce fou, monsieur. J'essaie depuis un moment de contacter Mademoiselle Gordon, sans succès. Continuez d'essayer. Je sais, je n'essaie pas de l'arrêter, mais je peux réduire le rayon d'explosion. Et vous, que va-t-il vous arriver? Ça n'a pas d'importance. Trouvez-la, Alfred. Agent neutralisant déployé. Ces bonbonnes sont très instables. Je vais devoir me déplacer doucement et être très prudent. Monsieur, je vous en conjure, changez d'avis et évacuez maintenant. Si vous êtes pris dans l'explosion, vous mourrez. Il n'y a pas d'autre moyen, Alfred. Il y a toujours un autre moyen, s'il vous plaît. Putain, les gars, c'est grave la merde. Ne voyez pas, c'est ce qu'il veut. S'en
sera à sa merci. Vous ne pouvez pas le laisser gagner. Fait tout pour sauver sa ville, ce grand ouf. C'est un malade. Putain, que la musique est incroyable. Je surveille ce bâtiment. Vous n'avez plus le temps. Je vous en prie, partez tout de suite. Je fais ce que vous m'avez appris. Ce qui est juste. C'est tout ce qui compte. Maître Bruce, je vous en conjure. Vous devez sortir de là. Si c'est à propos de Mademoiselle Gordon, vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Au revoir, Alfred. Merde. Putain. Je suis le commissaire Gordon, ma gueule. Ça y est. Génial, je suis censé rentrer comment, juste ? Schéma vocal analysé. Identification confirmée. Bienvenue, commissaire Gordon. Incroyable. Oh là là. Après, il vous l'a pas deviné, le commissaire. Un peu de commissaire, wesh. Allez, je sais pas ce qui va se passer. Enfin, si je me rappelle un peu, enfin, je me rappelle pas beaucoup du tout de ce qui se passe. Bon, mais pourquoi, où est Batman en fait? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais.
Batman. Putain. Soyez venu, Jim. Il faut que vous voyez. Putain. Enculé. C'est quoi cet endroit? Qui sont tous ces gens? Avant de mourir, le Joker a envoyé son sang infecté à tous les hôpitaux de l'État. Je sais, on a tout récupéré. Presque tout. Comment? Des erreurs d'hôpitaux. Des transfusions absentes des registres. 5 personnes ont été touchées. Non traitées. Le sang a contaminé leur système. Ça les transforme. Ils se changent. Joker. C'est pas vrai. C'est une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Mais la médecine n'a jamais constaté une telle mutation. Et celui-là, alors? Il ne ressemble pas aux autres. Henry Adams. Il a été le premier infecté, mais sans symptômes. Immunisé contre le Joker. Robin pratique quelques tests pour en trouver la raison. Une chose est sûre. C'est Henry la clé de l'histoire. J'ai coopéré! J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé! Vous avez dit que ça ne prendrait que quelques jours! Vous ne pouvez pas le retenir contre son gré. On y est presque, Jim. On le relâchera quand on aura sauvé les autres. Attendez. Vous avez dit 5, je ne vois que 4. Où est le 5e? Il sera bientôt là. Aujourd'hui. Regarde. Ah. Oh, ne sois pas si surpris, Batou. Tu savais que ça devait arriver tôt ou tard. Moi, enfoui au plus profond de toi. Ensemble, nous donnerons à cette ville ce qu'elle mérite. Un nouveau Batman. Un Batman supérieur, plus sombre, plus... Plus violent. Ouais, ouais. On doit s'accorder sur certaines priorités, bien sûr. Tu as sauvé la ville en contenant l'explosion, mais il n'empêche qu'AS Chemicals est sur le point de sauter. Tu devrais penser un peu à toi. Après tout, tu crois que tu crois. Et maintenant... Oh, bah, tu m'as manqué. Toute la subtilité et la délicatesse dans la... Putain, il y a le Joker là. C'est déjà le bordel, incroyable. C'est déjà le gros bordel, genre vraiment c'est abusé. Ouais. Mais en fait il se passe que des trucs de dingue ici. Mais celle-là est enivrante.
L'accent-il le moi qui est en toi? Monsieur, vous m'avez entendu? Le commissaire Gordon essaie de vous contacter. Merci, Alfred. Jim. Toujours là. Je savais que vous me laisseriez pas tomber. Il faut que je vous parle. D'accord, je vous écoute. Rejoignez-moi devant le centre de détention du GCPD. J'y serai bientôt. Putain. Alfred, analysez les forces de la police. Les déploiements, les équipements, les déplacements. Je veux savoir ce que j'affronte. J'effectue une analyse complète des forces. Tu vas affronter quelque chose que tu veux dire. Les gueules, j'arrive. Qu'elle était partie, il y a plusieurs heures de ça. Gardez votre calme, nous allons la ramener. Qui a pris ma petite fille? L'épouvantail. Il l'a enlevée à la tour de l'horloge. On doit y aller. Il y aura peut-être un indice, quelque chose qui nous mènera jusqu'à... J'y vais. Ouais, ouais. Il faudrait bien lui dire que c'est ta faute, tôt ou tard, Batou. What a gueule, j'ai vu ça. C'est que je serai aux premières loges quand tu le feras. Jim, il faut que vous restiez concentré. C'est dangereux là-dedans. Conduisez lentement et laissez-moi gérer en cas de problème. Comment j'ai pu laisser faire ça? Vous n'auriez jamais pu prévoir une chose pareille, Jim. C'est mon boulot de prévoir ce genre de choses. En tant que flic et en tant que père, tout s'est passé sous mes yeux. Droit devant, on a de la compagnie. C'est qui? La milice, je m'en charge. Ici le chevalier Duncan. Votre priorité est d'appeler en vue le commissaire Gordon. Je répète, votre priorité est d'appeler en vue le commissaire. Allez, viens! Monte à bord de la Batmobile! T'inquiète! Qui était bien attaché en plus là-dedans. Parce qu'il paraît qu'on est bien dans le coffre à Batman. Hein. Monsieur, avant d'aller à la tour
Cobalt ordinateur pour qu'il analyse la présence de la milice sur les trois îles et fournisse une représentation graphique de la force d'occupation de chaque zone. Ok. Dis-nous tout, Gordon. L'occupation de Miagani Island est majeure, avec un grand nombre de drones au sol pour contrôler les routes. Founders Island est le bastion de la milice. Elle est protégée par des radars à longue portée et un lance-missile. Je vous conseille de ne pas vous approcher avec la batte mobile pour le moment. Les unités de drones restantes sur Bleak Island ont été redéployées pour protéger la tour de l'horloge. Attendez-vous à une résistance considérable. Merci, Alfred. Je m'y attendais, bien attendez. Sergent ! Oui, chef ? On a perdu l'unité d'extraction. Reprenez les drones de la tour de l'horloge. Il arrive ! Je passe en contrôle manuel. Je l'arrêterai, chef. Jim, la tour de l'horloge est encerclée. Je vais dégager la zone. Je vous préviendrai quand vous pourrez en descendre. Eddie, contournez ! Hop là! Dans la théâtre, et elle meurt! Les troupes de la milice encerclent la tour de l'horloge, Jim. Restez dans la batte mobile. Je vous dirai qu'on la voit, ça. Je ne vais pas rester ainsi là pendant que vous traquez ces salauds. S'il vous plaît, Jim. Barbara ne voudrait pas vous voir risquer votre vie. Je vous appelle à la minute où j'ai terminé. À la seconde! Tellement de style. Et voilà. Jim, la zone est sécurisée. Retrouvez-moi à la tour de l'horloge. Oui, je suis pas allé en effet de surprise, moi. Attendez. Juste voir un peu ce que j'ai. La batte mobile. Allez. C'est quoi ça? Oh, c'est bien ça. La puissance d'arme va augmenter. Let's go! Oh. Oh. Oh, oh. Ah! C'est Barbara, elle est là, ok. C'est encore toi? Toute
tel que se remémorer le bon vieux temps. Hein, Batou? Et nous voilà aux premières loges pour le grand spectacle. Tu crois pas que ce brave Jim Gordon en a assez bavé? D'abord, un jeune et bon maniaque escale sa fille. Et là, il culpabilise pour son enlèvement. Franchement, tu devrais lui dire que c'est ta faute, Batou. Je suis sûr qu'il comprendrait, c'est vrai. C'est pas comme si elle s'était fait refroidir. Enfin, ouais, pas encore. La nuit n'est pas finie. Ce n'est pas votre faute, Jim. Bien sûr que si. Crane a fait ça pour m'atteindre. J'aurais dû être là. Il faut que je vous montre quelque chose. Nous n'avons pas le temps. Elle n'est pas comme nous. Identité confirmée. Il va serrer, frère. Skinner le Batman, hein. Okay, bah allez. Ils ont couvert leurs traces en désactivant les caméras de sécurité de la tour de l'horloge. Sauf que cependant, je pourrais contrôler tous les. Je suis trop fort et je m'appelle Batman. Donc Batman sait tout a priori. Okay. Ce sont des pneus Hammertech des 60. Je peux programmer la Batmobile pour suivre leurs traces de pneus. Ça me mènera directement à eux. Bah allez, c'est good. Bon, je me casse, hein. Quelle question me taraude. Comment l'épouvantail a pu comprendre ta technicienne informatique? Moi, quand je lui ai tiré dessus, j'ignorais qu'elle roulait pour toi. C'était un coup de chance. Sérieusement? C'est la tête que je viserai. Ah, si seulement j'avais eu un caméra. Les traces de pneus me mèneront à Barbara. Je peux les suivre grâce au scanner de la Batmobile. Il n'a eu droit qu'à un diaporama. Alfred, je veux le nom du chef. Moi aussi, maître. Il n'a certainement pas choisi ce nom par hasard. Par où voulez-vous commencer? Arkham City.
consulter les dossiers de tous les détenus qui ont été libérés suite à la mort du boss Stretch. Et Alfred? Monsieur. Il savait pas. Activez les protocoles de sécurité de la cave. Ne relâchez pas votre attention. Alfred, la milice vient de déployer un dispositif. Ça a creusé un sillon dans la route. Oui, je le vois. Des dispositifs similaires apparaissent dans l'autre. Ça c'est grave ça. Attends. C'est génial son truc. C'est une bombe, Alfred, et elle est bien protégée. Oh ciel. Dans ce cas, monsieur, ne devriez-vous pas vous éloigner de la zone? Je vais établir un lien à distance avec le bat-ordinateur et lui envoyer tous les virus en stock. Une fois qu'on sera passé, je pourrai accéder au noyau et le neutraliser avec une explosion contrôlée. Très bien, monsieur. Je dois cependant vous signaler que la milice a déjà déployé un peloton de tanks pour vous arrêter. Ils essaient. On est Batman, les gars. Monsieur, le téléchargement du virus a déstabilisé le dispositif. Si vous vous éloignez trop et perdez la connexion, tout sera rasé sur 10 pâtés de réseau. Il tente de désamorcer le dispositif, comme vous l'aviez prévu. Les drones ont été déployés. Je vais l'écraser. Ouf, oh, attends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. On a perdu l'unité du canal. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Et voilà, on est trop fort, bien évidemment. Batmobile, bon, on va s'améliorer. C'est quoi ça? Page de niveau, augmente le blindage de Batmobile, augmente la cadence de recharge automatique. C'est quoi ça? Putain, il faudra que je les débloque après, hein. Il m'en faut 4, j'en ai que... Ah. Ok, mais il m'en faut 2 de plus. Ok, moi j'en veux 2. J'en veux 2, comme ça moi je fais un sale truc laser. Cet avertissement a été diffusé publiquement. Je suspecte le chevalier d'Arkham de pouvoir dissuader toute intervention extérieure. Alfred, la piste du chevalier d'Arkham mène à Miagany Island. Abaissez le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Si je suis le trafic du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers... la gare de Grande Avenue. Alors c'est forcément là-bas. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point d'accès. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le pont. Prenez garde, monsieur. Les drones et les troupes de la milice quadrille Miagany Island. Écoutez-moi bien, soldats. Un contrôle des ponts. Les Batman peuvent et force s'adapter. Restez vigilants. Scrutez le ciel. Bon, on va voler, hein. Si je te dis, hein. On va voler, ma gueule.
Arkham a envahi la gare. Je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent pour pirater le réseau de transport. Caméra volante, avec un taser. Cool, on en aura besoin. Tu crois qu'il va venir ? Forcément. Oh mon pote. Hop là. Pas de discrétion avec moi. Bam. Bam. On y va direct. Vive, vive. Vive la violence. Tiens, tiens. Lève-toi. Fais un combat. C'est complètement gratuit ce qu'on a fait, mais bon. Ah mais c'est juste pour s'amuser, ça, c'est gratuit. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. Ah c'est bon, hein. Utilisez leur ordinateur. C'était de quoi ça, alors, ça. Faire ça. Oh marre. Avec tout ce premier ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable. Je relance immédiatement le réseau. Oh seigneur, est-ce bien qui je crois? Nigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. Nigma. Eddie, mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le baraque et moi, on n'est pas si proches. Oh, 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 je sais! C'est à cause de ce qui peut arriver à son ami féminine s'il n'arrive pas à venir ici. Choqué, chevalier noir, et étonné? N'y attendez pas. C'est parce que tu n'es pas de taille contre moi. Enigma, le mystère. Ton supérieur d'un quelqu'un. Tu vas m'humilier. C'est une fois que je sais que tu dois. C'est absolument impossible. Tu peux me voir. J'ai déjà J'arrive, ma gueule. Je poserai des lions de mort sur ce canal entier. Oui, j'arrive. Go.
Hey, je t'interroge, toi. Aidez là. Viens ici, là. Dis-moi pourquoi. On l'a baisé. Pourquoi? À quoi joue Nigma? J'en ai aucune idée. À quoi tu joues, bâtard? Je te crois. J'ai quand même éclaté le crâne contre le sol. Trop ma crâne. Hein. Ça fait une sacrée douleur, ça. D'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Bah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désirs ont de Gotham avec un sourire à terme de main d'œuvre désiré vrai. Il est trop fort Catwoman, les gars. Je vous le dis. C'est incroyable ce qui se passe. On les a déculottés, mon pote. Décalqués et tout. T'as même concentration pour faire ce combat de merde. C'est vrai ce qu'on voit pas la caméra. Je pourrais mais... Vous savez quoi? Je vais chercher mon masque. J'arrive. C'est moi Batman. C'est moi Batman. Non, plus c'est moi Batman ici. C'est moi Batman. Sur ça, c'est moi Batman. Dis, c'est moi Batman. Je reviendrai te chercher. Reste ici. Je porte une bombe, Batman. Je vais. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux que je sorte mes griffes? Tu n'es pas du genre à te faire attraper. C'était une embuscade? Un chantage? Un piège? Il m'a invité. Quoi? Il m'a proposé un boulot. Un boulot? Oui, de type chapardage. Je suis plutôt douée pour ça, tu te souviens? Tout le monde ne se balade pas sur les toits toute la nuit dans le but d'aider les gens, espèce de boy scout ténébreux. Bon, où est ma clé? Tu travailles souvent pour l'homme mystère. Seulement quand tu ne regardes pas. Célina. Si quelqu'un veut voler quelque chose, c'est moi qui me charge du cambriolage. Tu sais comment ça marche. Tu pensais peut-être m'avoir changé? Bon, je suis sûre que certaines filles apprécient de voir cette montagne de muscles prendre la pose. Mais je serais beaucoup plus impressionnée par des clés. Oui, Batman, j'ai remarqué ta nouvelle tenue. Très classe. Mais tu devrais peut-être aller jouer au jeu d'Eddie. Vas-y, ta gueule. Je vous connais pas, moi je suis Batman, ma gueule. Tu vas faire quoi, là? Je vais te faire attendre la fin du jeu. Je me casse déjà les couilles. Ouais, je suis un bâtard. Ouais. Je me casse. Allez, adieu. Alors là, Batman, mon vieux,
sauver l'ami incompétente qui s'est fait. À votre demande, j'ai créé une série de simulations. Ta gueule. C'est pas m'énervé. Allez, moi je vais là-bas. Je me rends à Mercy Bridge pour retrouver la trace du véhicule du chevalier d'Arcane. Nos pensées vont toutes vers Mademoiselle Gordon, monsieur. Bonne chance. Et puis, tu ne peux pas sauver entièrement Barbara. Je l'ai déjà tué à moitié. Ah, le bâtard. Le Joker, c'est un pas bâtard au fond, quand même. Mais on l'aime bien, quand même. Allez, c'est parti. Je suis Batman, ma gueule. Putain, c'est Batman 2. C'est Batman version moche. Putain, ils ont appelé CK1 pour... Ah, il se fout de ma gueule, celui-là. Il se fout de ma gueule. Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Est-ce qu'il se fout de ma gueule ou pas? Je jure, parce que... Joker, c'était Joker, ma gueule. Ah, et puis, il y a vu Joker. Ça me détruit le nez, moi. Je suis au pont. Un instant, monsieur. Je dois vous prévenir, les forces de la milice sont présentes en grand nombre devant vous. C'est bien noté. J'ai pu accéder aux fichiers sur lesquels travaillait Mademoiselle Gordon avant son enlèvement, monsieur. Il semblerait qu'elle ait trouvé le point faible des drones. Un tir de canon vulcain sur leur récepteur devrait suffire à les détruire. Sergent, attends, tiens, parce que moi. Oh, ok. Tchap. Chevalier d'Arcane, répondez, défense percée, il se dirige vers Biagani Island. Oh non, sergent. Installez les barrages. Vous êtes mes adversaires. Les touchés. Oh là là, c'est épique. On l'a tué tout en tuant son putain de truc là. Bon, allez, faut que j'aille tout là-bas maintenant. Hein. Pas que ça a foutu de moi. Allez, on est bien. Thank you.
le vois. Il est sur la cible. Putain, ouais. Ouais, je peux y aller là, ça y est. C'est pas loin là. C'est qui le prochain là? C'est toi là? Putain. Voilà. Oh là là. Allez, on peut y aller. Alors, ce masque me casse les couilles à force. Je vais mettre comme ça. La voiture est sortie de la route alors qu'il n'y avait personne. Pourquoi ? On dirait que le conducteur ne portait pas sa ceinture. Je devrais trouver le corps. Trace de gaz lacrymogène sur la joue. Oracle devait être sur le siège passager quand elle a provoqué l'accident. Astucieux. Je devrais examiner l'endroit où elle était assise. Il y a une sale gueule, hein, quand même. J'ai une porte là. Les charnières ont été complètement arrachées. La porte a dû être ouverte à l'arrache. Oracle est sorti.
Il faut que j'examine la reconstitution pour déterminer l'endroit où elle a atterri. C'est cette personne là qui est sortie du véhicule avant l'accident. OK. Tel on met notre masque d'enquêteur, attention, attends. Masque d'enquêteur. Casser la gueule. Oracle s'est arrêté ici. Quelqu'un veut tirer dessus. Je devrais analyser le point d'impact pour des preuves balistiques. C'est lui. D'ailleurs. Éternellement puissant. Le calibre correspond à l'arme de poing du chevalier d'Arcane. La trajectoire et la profondeur de l'impact désignent un tireur de sa taille. À cette distance, il ne pouvait pas manquer sa cible. Un tir d'avertissement. Tout une cible qui est par terre, pardon. Au pire. Ouais, il y a une cible qui est par terre. Laisser un indice en rampant hors du véhicule. Putain, l'enquêteur est perdu, l'enquêteur est perdu là pour l'instant. Elle jette quelque chose entre les cartons. Attends, je vais l'injecter ça. C'est bien d'avoir un port cartouche à portée de soi, c'est bien. C'est toujours bien d'avoir. Oracle m'a laissé ce brouilleur sur le lieu de l'accident. Décryptez les données que je puisse localiser le chemin. C'est plus dans les cordes de Mademoiselle Gordon. Je vais faire de mon mieux. Mais ça prendra un moment. Je vous retrouve à la tour Wayne, comment ça va? Alfred, du nouveau sur les criminels les plus recherchés? Un instant, monsieur. De nouveaux rapports signalent également. Ah, ta gueule, Alfred.
défi au dépôt ferroviaire du Chaudron. D'accord. Je vais jouer à ton petit jeu et je vais gagner. La vie de Selina en dépend. On est Batman, on est Batman. On est dans la peau de Batman là. C'est pas parce que mon masque il est là que c'est forcément pas Batman, tu vois. Batman n'est pas loin, ok. Ok, je vais aller les chercher moi. Ok. Je suis Batman, les gars. Je suis Batman, donc je suis capable de tout. Hein. C'est bon, je suis prêt. Ouais. I'm Batman. Je suis prêt. Ouvre. Ego mobile. Aussi. Je coupe la bride de poste combustion. Il me faudra toute la puissance.
Putain. Viens l'Enigma, je vais te baiser ta mère. Wow, je m'étais trompé de touche, je suis vraiment un bâtard. Ah, one shot mon pote. Attends, 1, 2, 3, on part dans la gueule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Attends. Tout de suite, c'est celle-là. Un peu problème. Voyons si tu es aussi intelligent qu'on le dit. J'espère que c'est celle-là, hein. Parce que si c'est pas celle-là, bah, je suis baisé. Pour le coup. Merde. Je suis un connard, putain. Putain, c'est fini, je suis plus un détective, merde. Je suis une merde, putain. Ok, j'ai compris. Attends. Ok. Ok, attends. Oui, je t'ai niqué. J'espère que je t'ai baisé. J'espère que c'est celle-là, hein. Parce que bon. Yeah! Oh yeah, my friend.
Bon, on va retrouver Barbara maintenant. Allez, Barbara. Je vais à la tour Wayne. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque de vous aider. T'inquiète même pas, Alfred. Des gros rats, ouais. Hein? Tu te souviens certainement de moi, Batman. Bah, vu que tu graves mon nom. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie s'est entendue. Pour prouver que tu es digne. Travaille encore. Je reviens plus tard. Ouais, c'est un peu bizarre celui-là. Ah non, je sais pas ce qu'il veut me faire. Moi j'ai déjà un gars. Hein. J'ai déjà Robin, frérot. Je vais à la tour Wayne. Sans vouloir te vexer, frérot, mais bon. J'ai pas que ça à foutre, je dois aller sauver mon ami et je dois aller sauver ma meuf après. Ok, donc allez, j'y vais. A toutes. Peut-être. Si je reviens un jour, peut-être qu'un jour je reviendrai. Peut-être pas, peut-être que oui. Oh, je dois le mettre comme ça le masque. Parce que je respire plus, je le mets comme ça. Parce que bah, en fait, j'ai un trop grand nez. Du coup, je le mets comme ça. Que je respire, non. Je survois un peu mon nez et on voit le plus le haut de mes yeux que mes yeux en eux-mêmes. Mais c'est pas grave ça. T'es, il est bien protégé le Lucius. C'est gentil à vous de passer, monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transcriptions radio récentes de la milice et leurs coordonnées communes. Correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant la zone. Je suis Batman. Je suis Batman, ma gueule. Je fasse quoi, là? C'est quoi cette merde? Ok, j'ai pas le temps, Vicky. Désolé. Ah. C'est bon, on peut y aller. On se casse. La
Bon. Je vous contacterai dès qu'il sera prêt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, mais... Soyez prudent, si vous voulez. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagami. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la batte mobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée? Attendez que je sois sur place. Je ne veux pas gâcher la surprise. Putain! La prochaine fois, t'es mort, chevalier noir! D'accord. Putain, bah, bonne chance, mec. Oh, attends. Y'a quoi là-dedans? Ok, direction. Il y a quoi à l'intérieur de ce truc là? Petit bar, ok, tranquille. Petit truc qui se fait attendre. Ah! Mais un fils de pute là. Mais sombre, on est des Batman. Yes man, I'm Batman. Ouais. Quoi? Comment te dire là que j'ai lancé FIFA et j'ai lancé Champions? Ouais. L'équipe que j'ai créée chez toi, l'équipe que j'ai chez moi, Foudroi, elle a Foudroi 3. Elle me fait 3 enfants sans son autorisation. J'ai besoin d'un ouvrier. Ouais. Parce que déjà en attaque, il y a Vinicius, il y a Griezmann, et il y a. Comment s'appelle lui déjà? Dembélé. Dembélé est nul. Quoi? T'es démêlé, frère. J'aime pas démêler. Ah, frère, parce que là, Dembélé, 94 en vitesse. Bon, mon Lucas, tout est défense, ok. 80 en tir, 82 en passe, 99 en dribble, 38 en défense et 89 en physique. Attends, moi j'ai pas le temps là. Là, moi j'ai mis le masque de Batman, gros. Je suis Batman, ma gueule. Oh putain. On est argentin. Si j'ai le nain, la vie j'en peux jamais jeter un second. Je perds mon équipe. Je suis le nain argentin. Ouais frère, c'est le nain. La puissance du nain. Dans toute l'équipe que j'ai fait pour toi, il y en a qu'un seul qui en a qu'un qui est bon. Et encore, on a eu de la chance de l'avoir lui. Hein. Tu vois, est-ce que encore là il y a tous les packs là sur le 23, sur le 22, il a fallu galérer pour tous les avoir.
Ouais, on y est, ça y est. Je suis bas. Oh, Joker, ta gueule, putain! Vas-y, je vais essayer de pas tuer Messi. En train de me bander le Joker là. Messi. Ah, mais ouais, je t'ai dit, Messi, c'est un art de l'avoir. Messi, c'est un art, ouais. Ah, je vais essayer d'acheter Bellingham. Là, je vais acheter Bellingham. Tu veux encore Jude? Quoi? Tu le veux encore lui? Bah, ouais, frère, c'est Jude Bellingham, t'as le dos. Ah putain. Fou, John Bellingham, t'es un malade, toi. Putain, c'est bon, j'ai baisé. Putain, y'en a un, il est en train de me casser les couilles là. Joker de mes couilles. Laisse pas tranquille celui-là. Et voilà. Bah, Yann me raccroche la gueule, toi, bien, les gars. Vas-y, refais. Ouais. Ta grand-mère déjà d'une, pour commencer toi. Putain! Ta grand-mère. Allez, je m'occupe de vous. Je te contre. Hop. Oh mon pote, frère, j'esquive! C'est quoi ça? Toi, je vais venir. Oui, allez, oui. Allez, toi, j'arrive après. Hein. Toi, je vais venir te décimer, toi aussi. Putain, mais t'appuies sur le triangle, ça marche pas! Vous allez voir tous là, revenez tous là, revenez tous, je vous prends tous un par un.
Allez, 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 changement de mes couilles là. Vas-y, allez, viens. Vas-y. T'es sûr? Allez, là, espèce de fils, espèce d'enfant de catin que tu es. Voilà. Allez, tous les autres là, venez. Vas-y. Et ta grand-mère, hop. Le ninja là, voilà, dans ta gueule. Maintenant, je m'occupe de vous. Putain, vous êtes des putains de chatteux! Ah! Mais putain, t'appuies sur le train, ça marche pas! Mais putain! Il est en train de me casser les couilles! Mais casse-toi! Putain, t'appuies sur le train, ça marche pas, mais mes couilles maintenant! Frère, j'appuie sur. Mon pote, alors là, mon pote, alors là, je vous promets, je vais tous les niquer. Allez, 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 allez. Alors là, mon pote, si je nique pas, je suis une grosse salope, c'est bon. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Allez, vous allez voir ce que vous allez voir. J'en ai rien à foutre, je les nique tous. Rien à foutre, je les nique tous. Tous, un par un, tous. Je lui ai dit tous, hein. Il n'y a pas un qui survit. Vas-y, viens, viens, viens. Viens, viens. Allez, hop. Grand-père de chauve. Allez, maintenant, aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Tu veux me faire chier? Ta gueule. Je vais chercher toi. Mon pote, t'appuies sur le train, ça marche pas, ça abusé. Putain, casse-toi. Putain. De 1. Putain! Faut faire quoi? Faut faire quoi? Faut faire quoi? On a tous les deux sorti l'artillerie lourde. La seule différence, c'est que moi je n'ai pas peur d'utiliser de vraies munitions. Oh, t'inquiète. Allez. Putain! Moi aussi je vais sortir l'artillerie lourde. T'inquiète pas. Putain, ils m'ont fait serrer là. Je dois dégager, c'est vrai. Vous êtes prêts à aller vous faire amputer ailleurs. Vous prévu d'aller crever ailleurs, oui, maintenant. Ah, voilà.
préfère là. Ah mais oui, c'est physique. Ouais. L'heure est venue de sauver Oracle et de faire payer le chevalier d'Arcas. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. Ouais. Il est là. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec lui. Je n'arrive pas à trouver où il faut que j'aille. Ah voilà, c'est mieux là. Je casse mon truc, hop. Et j'en ai les deux courons. Non mais à force on est des vrais pros. Et merde. On arrive. On se casse, c'est bon. Hein. Il fait quoi lui? Putain, mais il me fait péter un plomb lui. Wesh. Putain. Oh, il est en train de me saouler lui. T'as des dérapages contrôlés et tout là. Oh. Arrête de tourner en rond là. Non mais oh. Putain. Ah. Pourquoi t'es sous le... Bref, on s'en bat les couilles d'où tu es. Principe, c'est que je vais t'éclater le crâne. Il va crever, merde, à la con. Où est le chevalier d'Arcane? Batman. Je suis la serrure. Il en a rien à foutre maintenant, il tue Batman. Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. Ah, c'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Je me souviens. Quel plaisir hein. C'est un plaisir de pouvoir casser le crâne d'un... Ah. Ce qui est bien c'est qu'il va jamais mourir donc on peut continuer comme ça. Ah j'arrête. Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société. Non. Oui. Ça fait du bien Nathan. De quoi? Merci.
ça fait du bien de pouvoir dribbler, de pouvoir bien dribbler et de pouvoir bien marquer. Voilà. D'accord. Non, c'est juste que t'as pas de shoot sur FIFA, c'est tout. Quoi ? Après, c'est comme ça, c'est la vie. Sur le 22, t'as pas de shoot, t'as pas de shoot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, qu'est-ce que je te dise ? T'as pas de shoot, t'as pas de shoot, c'est tout. C'est... elle est dure la vie, mais là, quoi. Sur le 23 ou sur le 22, ça dépend. Sur, je sais pas moi. Sur le 22. Sur le 22, oui. Putain, parce que tu joues sur ton terrain, même sur ton terrain, j'ai autant de choses. Ah bah aussi. Non frère, en plus, mais la vie, la prochaine fois que je suis lui, c'est moi, je vais défendre ça. Ok. Plus, il y a une question de Vinicius. Waouh, Vinicius. Waouh. Sur 23, 22, 21, 25, il est trop tard encore, ok. Donc allons déjà, tu l'as marqué un triple à Manchester City en plus. Ouais. Plus... t'as combien de crédits? 800 000? Ouais, c'est bon, alors tu peux peut-être l'acheter. Oh putain! Et voilà, on est tranquille maintenant. Putain. Bon, alors, je dois aller où maintenant? Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous m'avez demandé. On dirait que Maître Bresson est sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Radlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur... si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté son lieutenant dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si tu trouves le pingouin, tu trouveras le chevalier. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Radnor. J'arrive! Je suis là! Coucou Nightwing! C'est Nightwing? C'est Nightwing? On a eu train, ouais. Je suis là, c'est moi Batman, moi. Elle est où là? Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir ce soir. Tu plaisantes quoi? Quand je suis pour Barbara. Non, ça fait une gérée. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'ils sont les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion. Je pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan. Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul.
C'est trop dangereux. Voilà. Je ne peux pas perdre qui que ce soit d'autre. Le Devil te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. A bientôt, Bruce. Merci, Re. C'est mon Re. Ok. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Coucou. Attends, bouge. Putain. C'est intéressant vite fait, mais bon. Putain, lui, je le contre, ça veut pas. Ta gueule, toi. Il est pas fini, lui. Attends, casse-toi. Mais putain. I'm Batman. Et... Ah bah c'est la fin. Bah c'était pas ouf, hein. C'était bien, mais bon. Ah quoi. Attends, j'en suis à combien là? J'en suis à 5, ok. On va pouvoir se faire un truc tranquillement. Pour combat à la Batmobile. Ok, et je vais bien sûr m'améliorer un peu ma tenue. Parce que bon, je peux pas m'améliorer ma tenue. Je peux faire ça au pire. Et grappin plus élimination. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Allez. Salut. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Allons-y. Comment on fait pour voir sa merde? Attends, comment je fais? Je ferai mieux demain. Camion avant dessus. Les hommes à l'intérieur. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié? Non, c'est Batman. Dégage vite de là. Le bruit de la voiture, la subtilité marche à tous les coups. Le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Je dois les suivre. Le marquage du véhicule reste effectif. Et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Surtout que je suis en train de vous suivre depuis tout à l'heure quand même. Vous êtes fort, vous. Vous êtes trop fort, frère. Ça nous a suivis.
Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du parcours. C'est ça. Maniez-vous le cul. Le boss veut nous parler. Mais il n'est pas temps. Gros, mais c'est pas possible! Frappe, ça marche pas! T'entends pas un truc, te... Continuez. Il est con, hein, c'est possible. La tourelle est foutue. Adieu. Je l'ai eu. Ok, on l'a eu. Le Batman l'a eu, mon pote. Alors. Je remets mon masque comme ça. Là, c'est quand je suis pas en combat, je suis comme ça. Alors. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille en bas. Ok. Direction en bas. En tout cas, on a tout niqué. Ça, c'est bien, ça, je crois. Ça, c'est juste bien, ça, c'est pas... Comment j'ai l'intérieur? Là. Hop là. Mais putain, arrête de voir t'accrocher partout. Bah de toute façon non, ça marche pas. Vas-y. Quand je suis censé aller en bas, bâtard. C'est que bon, ok, c'est cool, mais ouais. Pas vrai qu'il y a les autres étages. Je suis trop bête. Voilà. Frère, je peux pas aller plus bas que ça. Hein. Ouais, frère, je fais comment moi? Bon bah, ok. Je suis en bas. Le truc de malade, c'est que j'étais en Black Gate, à l'asile et à Arkham City, et j'ai pas croisé Batman, pas une fois. Je suppose que j'ai de la chance. Tu vas me croiser bientôt alors. Parce que j'ai tout le temps entendu là. Je t'ai offert pour te retrouver là. Fais quoi, Batman?
verdict. Il a même pensé nous rattraper. Ce qui a grandi. Ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Le chevalier d'Arcane, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive. La petite fille chérie du commissaire. Oh, dans les boules. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le ! Va tirer, Batman ! Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les gars. Viens bosser mon crochet. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul. Voilà. C'est comme ça que tu gères la situation ? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Attends, grand-père là. Je suis vieux moi aussi. Allez, tiens. Allez, comme ça. Oh, il est trop fort, mais tout. Ah, mais je ferai mal. Oh, c'est trop bien d'avoir des bras. Oh, c'est trop le fait d'avoir des trucs comme ça. Regarde, hop. C'est trop fort, regarde. Attends, je fais hop, hop, hop. Je vais te casser de la tête aux pieds. Attends, tu fais hop. La boîte de baseball. Ok, je suis trop fort, frère. Ces armes doivent arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Oh, tout répété, non. Ça soit pareil ici, là. Boss, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. On doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche les indices ici qui pourraient nous donner des épaules qui éclaboureraient. Je dessine une petite chauve-souris dessus. Ça va pas bien dans ta petite tête, Batou. Si tu appuies sur la tête, tu nous descends tous les deux. Appuie sur la gâchette, tu vas nous faire exploser. En temps normal, je paierai un bon prix pour voir ça, mais on n'a vraiment pas le temps. Je m'en occupe. Si je vais dans le fret, pas de problème.
Je voudrais pas être à la place de ce... Je devrais m'éloigner avant de déclencher l'explosion. Je devrais m'éloigner du coffre. Je serai trop près de l'explosion. Ça, c'est une seule explosion, hein. Pas envie d'être un dehors, je pourrais tenter ce que... Attends, même Batman, des fois, il a soif. Quand on est Batman, on a soif, des fois. Putain, m'a démasqué. C'est moi. Batman, je suis construit, les gars. Ok, on y va. Bon, alors, il fallait où, maintenant? Et voilà, allez, on se casse. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique. Bien reçu. C'était cool, hein. Je dois me mettre à couvert avant de piloter la Batmobile à distance. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ses imbéciles. Je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Je dois neutraliser tous les hommes et les tourelles de la milice avant de désactiver le contrôle à distance. Et voilà. Putain, c'est bien d'avoir le contrôle à distance, en fait. C'est bien. J'aime bien. C'est bien le contrôle à distance. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stan Enterprise. Théoriquement, oui, parce qu'il s'appelle Stimer Stagg. Putain, c'est chaud quand même. C'est chaud ce qui se passe ce soir. Je suis en route pour les dirigeants. Jam de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver par là. Putain. L'analyse des menaces indique que Founders Island est... Putain, mais en tant que Batman, c'est chiant d'être Batman. Ouais, ça me casse les couilles de porter ses masques, on dirait un truc du chien en plus avec. Allez, vous en faites pas, Alfred. Je vais chercher et rester sur les toits. Essayez de c'est dirigeable. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Ok, on va le mettre. Il est quand même là, regardez, c'est le masque de Batman. C'est moi, Batman, regardez. Batman. On arrête. Alors. Comment? Je suis censé. Allez, alors. L'opération doit dépasser le budget annuel de certains pays. La milice s'est emparée du dirigeable de Stagg et a établi une tour de guet munie de tourelles. Elle semble être contrôlée depuis ce poste de commande centrale. Je dois le neutraliser. Attends un peu, attends. Détection.
Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. Ouais, attends, alors. Comme ça, on s'est fait. Alors, peut-être que c'était pas bien tenté et c'était pas bien de faire ça. Mais en tout cas. Et voilà. Attends, on les a baisés, hein. Bien, je me suis débarrassé de l'hélice. Maintenant, je dois désactiver la tour. Pion. Qu'avez-vous trouvé ? Eh bien, selon les plans d'origine du vaisseau, une trappe de service devrait être accessible sur le dessus de l'appareil. Il semblerait que M. Stack protège farouchement ses recherches. La sécurité doit être très élevée. Merci, Alfred. Où en est le dispositif de piratage à liste ? L'intuition devrait faire partie. Putain, j'ai des trucs de partout, moi, c'est pas possible. J'ai des trucs de partout, moi. Je suis Batman et j'ai des trucs de partout. J'ai des gadgets, des trucs de... J'ai tout. C'est ouf, j'ai tout de partout. J'ai des Batcaves dans tous les coins de Gotham. J'ai une Batcave, c'est trop. Il y a une écoutille de service. Frère. Je peux utiliser le dispositif de piratage pour entrer. Cool. Pourquoi tu restes en altitude, Batman? Ça te laisse le temps de faire le point sur les grandes questions genre. Est-ce que l'oracle est morte? Est-ce que c'est ma faute? Qui sera le prochain à mourir? Ouais. Allons-y. On veut des réponses. L'écoutille est verrouillée de l'intérieur. Si je trouve le panneau de contrôle, je pourrai forcer la sécurité grâce au dispositif de piratage à distance. Ces soldats utilisent un drone automatisé. Si j'arrive à pirater la télécommande du garde et à télécharger les codes, je pourrais retourner le drone contre eux. Hé, tu fais quoi? Juste une petite... Maintenant que j'ai les codes, je vais pouvoir retourner le drone. Un verrou électronique. Si je trouve le tableau de contrôle, je pourrais le forcer avec le dispositif de piratage à distance. Thank you.
était pas très élevé, dis donc. Je vois que vous avez réussi à entrer, monsieur. Avez-vous trouvé monsieur Stagg? Pas encore. Le chevalier d'Arkham et les hommes de l'épouvantail ont tué tout le monde sur leur passage. Barbara est notre priorité. Je ne perds pas. Maintenant, je devrais pouvoir contrôler complètement le système de stabilisation du dirigeable. Par contre, le dispositif de piratage ne fonctionnera qu'à portée d'un terminal de contrôle. Putain. OK. Tienne Stagg. Et vu son état, il n'en a plus pour longtemps. Je dois le sauver. Où sont les fichiers? Je ne vous dirai rien. Tu veux qu'on coupe les doigts? Pas de problème. On va commencer par là et voir jusqu'où on peut remonter avant que tu traces le morceau. Donne un coup de main, monsieur Stagg. Vois si tu peux l'aider à s'abaisser avec ses fichiers. Putain, les bâtards. Mais mon pote, toi mon pote, et bam, balayette. Mais quoi? Il y avait du monde, hein. Dieu merci, vous êtes là. Et ouais, je suis là, Simon. Oh merde, il va me démasquer, les gars. Ouais. Ces brutes ont juste débarqué et ouvert le feu. Ils voulaient récupérer ces cylindres. Des générateurs Nimbus. Une cellule énergétique entièrement propre sur laquelle on travaille. Où est l'épouvantail?
Merde, j'ai mon masque, les gars. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Vous pensez à Barbara Gordon? On sait tous les deux qu'elle est sûrement dans le bateau. Putain, c'est ça, je voulais sauver les gens, tu vois. Après, on devient fou. Je devrais chercher un autre terminal de stabilité à pirater dans la zone. Presque. Je t'ai presque senti perdre le contrôle. Encore un peu de ce délicieux gaz de terreur et tout sera fini. Pour toi. Attends. Ces points d'accès réagissent à la voix de Stag et à aucune autre. Je suis pas encore assez malin. Ils ont emmené Stag voir l'épouvantail sur le deuxième dirigeable, mais il est protégé par des tourelles. Un petit instant, monsieur. Bien. Les plans indiquent qu'un terminal de sécurité se trouve dans le laboratoire de recherche à l'arrière du vaisseau. Il devrait vous permettre de désactiver les tourelles. Ah mais il y a une trappe. Oh putain. C'est trop, je suis un peu bête moi. Je suis bête, effectivement. Là, j'avoue là. Elle est devenue ton point faible, ton obsession. Elle
culte des sombrés de plus en plus vers les abysses. Je pourrais ordonner son exécution tout de suite. Ce serait cruel, sadique, brutal. Mais à la place, je vous réserve autre chose. Je devrais m'éloigner des containers avant de faire basculer le dirigeable. Je devrais m'éloigner des conditions. De ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas à toi que j'essayais de te dire. J'en avais après ton esprit. Alors, toujours, ami. Amis font la vie. Et puis, c'est pas ma faute. C'est celle de l'épouvantail, avec sa potion miracle, jokerifiante. Encore du monde là. Vous n'aurez pas assez bête pour essayer de monter jusqu'ici. On est dans un dirigeable. Si d'entre ici, il est mort. Surtout. Cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. Bien joué, Batman! Mais allez, à vous! C'est grâce à la nouvelle tenue, hein? Le héros à l'intérieur est usé. Thank you.
Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stagg. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrais pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stagg ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. De là, je pourrais peut-être reconstituer ces empreintes. Stagg doit avoir laissé une empreinte au sol. Ici, je devrais examiner d'autres endroits qu'il a touchés. J'aurais plus de chances de trouver la totalité de ces empreintes. J'ai besoin d'une image de Stagg touchant certains endroits de la pièce. Il a touché le sol après être tombé dans les escaliers. Je dois chercher d'autres empreintes. Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. Stagg a laissé une empreinte, près de la sortie de la pièce. Je sais où Stagg a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. J'ai une empreinte d'index juste ici. Encore trois lieux à analyser. J'ai terminé la reconstruction de l'empreinte du pouce de Stagg. Encore deux points à analyser. Il a laissé des empreintes de son annulaire et de son auriculaire à cet endroit. Il reste encore une zone. Quand j'ai oublié l'escalier ! J'ai toutes les empreintes. Je devrais pouvoir accéder au système informatique de Stagg maintenant. Construction des empreintes de Staggy pour accéder à l'ordinateur. Oh, quelle idée brillante, Batou. Oh, dis donc, juste après, on pirate son compte sur encarte. Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable à distance, mais je peux contrôler les tourelles de celui-ci. Voilà. Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. Monsieur, concernant l'identité de ce fameux chevalier d'Arkham, qu'avez-vous trouvé ? Rien, monsieur. Parmi les anciens détenus d'Arkham City qui ont disparu dans l'évacuation, aucun ne correspond au profil. Il faut élargir. Quand le Joker a... Malin, hein, Batman? Oh, 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 oh,
Mais tellement c'était bien. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture. L'impulsion électromagnétique neutralisera les véhicules à proximité ainsi que les missiles en approche. C'est l'arme idéale dans les situations délicates. L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile. Je suis sûr que votre arme... Très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consistait à garder le Déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. Moi, dommage, j'ai cru qu'elle allait péter la fenêtre, tu vois. Je me suis dit, ça allait faire une belle action, tu vois, ça allait tirer dans la bise, ça allait tout casser. En même temps. Je suis dégoûté. Sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais non. Alors, le Déluge, ma gueule.
faites-il? Laissez-moi partir! J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper! Ah! Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus! Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxicité épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non! J'ai vu ce que cette chose faisait. S'il vous plaît, aidez-moi! En neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. Ouais, mais on continue, c'est demain, bien évidemment. Parce que bon, il est tard, je peux vous mito, il est 23h déjà. Il est 23h et j'aimerais beaucoup dormir ce soir. Donc voilà, Élite de Gotham, rang 1, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a rang 1, Phoenix YouTube? Élite Gotham, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Batman Arkham Knight. D'accord. Bref, on s'en bat les couilles. C'est tout pour ce live, hein, du coup. À demain, les amis. Demain pour un prochain live. Une prochaine vidéo. Et une prochaine année, peut-être. C'est une blague. À demain, les amis. Bisous à tous. Bonne nuit.